Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir à toutes fanatiques, auditeurs, auditrices qui branchent parler Haïti, la voix du peuple. Salutations par nous spéciales, bon Dieu béni nous. Jeudi à ce dimanche, c'est 25 février 2024. Nous saluons toutes fanatiques. Nous allons droite, nous saluons l'équipe là, nous saluons René, Maître Schnelson, nous saluons Pasteur. Pasteur, comment? Attendez, qui fait là. Bandi ça vient touiller un jeune garçon. Jeune garçon, ça c'est Steve Jean-Baptiste. Eh bien, Steve et Jean-Baptiste, monsieur gagne 26 l'année. OK, eh bien ça passait dans bouc ti rivière la Tibonite. D'après information nous joine, eh bien bandi ça vient yo té al chercher yon messier dans bouc ti rivière la Tibonite. Eh bien yo pas joine messier, yo té besoin. Pendant yo croisé avec yon dame qui rele Elvins, eh bien alors dame nan rele Eveline, alors dame yo croisé a rele Eveline, yo bat dame nan bien bat. Eh bien Steve Jean-Baptiste qui c'est petite Eveline, li té seulement mandé messier yo bandi yo. Pour qui ça, il y a bat maman comme ça? Eh bien, peut-être ça, gang nan, li pren jeune garçon, il va le tirer li dans zone canal Seiko. Canal Seiko, alors c'est une petite localité dans petite rivière. Jeune garçon dit, pour qui ça n'a bat maman comme ça, mais si ça maman fait nous? Eh bien, jeune garçon, c'est qui c'est Steve. Alors, il a bat maman qui c'est Evelyne, il a écrasé maman par coup de bâton, monsieur. Dit pas d'accord, il parle, mais je n'ai pas bat maman. Eh bien, il y a un jeune garçon, un compatriote, il est allé avec lui dans la localité, qui est le canal Seiko, il a saccagé l'en babal. Après que non, famille jeune garçon, il a pris un koa, et puis il a mis dans un mok. Bandio, pour montrer si vous même qui a commandé, eh bien, il a pris un cadavre dans un mok là, avec Zama à la main. Tendez bien, mesdames et messieurs. Tendez bien, il y a fini tout le jeune non. Il a là avec cadavre là. Quand la famille a cherché cadavre, elle mettait la mog. Bandio allait dans mog là, et bien avec gros amnan, mais il a cherché cadavre, jeune garçon encore. Et puis au pimpel, jeté dans la rivière la Tibonite là. Et puis il est allé. Attendez, pendant jeune garçon dans mog, famille a mettait la mog. Nèg yo al nan mog là, il a prend jeune nan. Il a lagué dans fleuve de la Tibonite, gros rivière. Et bien au fin fait criminel compatriote, il est allé, il a lagué jeune garçon dans rivière. Et n'a toujours rappelé où localité ça vient pourri avec bandit depuis l'époque élection 2015. Tout dirigeant qui vini, yo plus campé sous bay pression au lieu de déraciner gang yo. Jusqu'à présent, on a parlé là, la Tibonite fin pourri net en bas gang. OK? De toute façon, bagala triste. C'est bagala triste ça qui a passé l'autre bois. Bagala triste ça qui a passé dans la Tibonite, mesdames et messieurs, bagala triste. Dans le moment où on a parlé là, il y a une grosse manifestation dans Port-au-Prince. Eh bien, d'après l'information de nos jeunes, la police est en crasé manifestation là, en pile gaz à bail là. Eh bien, il y a un débat comme Simo qui est déjà présent devant l'ambassade Canada. Jeudi dimanche là, eh bien, dans 4 jours de manifestation qui a annoncé, eh bien, plusieurs dizaines de militants trouvés au Carrefour Résistance, eh bien, a chauffé béton. Il y a un qui est en prenant gaz. Dans le moment où on a parlé là, gaz lacrymogène. Eh bien, c'est l'ambassade Canada, il va faire revendication. Il y a un leader parti politique, Petit Dessaline, qui déjà débarqué là lui-même. Eh bien, d'après l'information de nos jeunes, Moïse Jean-Charles dit, et faut qu'il bloque l'ambassade là, je dis à même, dans le moment où on a parlé là, mesdames, messieurs. Alors, nous allons droit pour me faire entendre, et yon zami qui voit un message, by Guy Philippe, bon, passe ce message là, pour nous capables de retourner dans l'information. Entendez des compatriotes qui voient un message, by Guy Philippe, prêtez branché. Reste message maintenant, c'est pour Guy Philippe. Guy Philippe, moi, entendez, ou dit que, au fond, bac, parce que le gouvernement a voué assassiner. Parce que il y a des gens qui ont pris le téléphone, puis ils ont localisé. Eh bien, si les gens parlent dans le gendarme, ou qu'on ça bien passé. Donc, de pourtant entrer dans l'activité, ça, ou qu'on son activité qui supposait pas camper. Ou dit activité à pas camper, alors que la population est en fret la cali, puisque le pas qu'on ça pour le faire. Moi, tant de guerrier Henri pose aux questions ça ou pas répondre. Guerrier Henri dit ou clairement que oui, ou mande moun yo pour yo prendre la rue. Oui, ou mande moun yo pour manifester. Oui, ou te dit 7 février, ou mette piwate. 7 février, ou dit que yo te mette piwate, yo faut al maron en côté pendant 3 jours. Donc, excusez m'expression ou pas sérieux. Si yo faut al maron pendant 3 jours, mais bagala campé. Action, activité yo campé. Donc, à qui sa population doit attendre yo? Ok, yo sorti manifester. Yo sorti manifester. Supposé gon action qui fait. Moi reconnaître vraiment que révolution li pas coup d'état. But en dedans révolution li pas supposé gen temps mort. Révolution gen trop temps mort. Chaque fois elle gen temps mort comme ça, Ariel Henry a joué sur le temps et puis qu'on y a lui même la continuer mettre force mobiliser.
Même si nous croyons que li perd du power souterrain, mais au moins nous même nous bal possibilité pour le reprendre force. Donc moi comprendre que peut-être que militairement ou pas préparé assez avant même ou te dit ça, peut-être ou gen doit gen réserve port, mais population besoin comprendre que réserve ça y est et qui ça ka fait. M'pa mande pour bay secret ou m'pa mande pour dire qui sont pral faire après demain, m'pa mande pour dire second armée avoir second zam ou après différence de Traoré et Ibrahim. M connais Ibrahim gon l'armée derrière lui ou même tout ou te gen yon derrière en 2004, est-ce qu'on gagne toujours ou bien est-ce qu'on pas gagne toujours? Parce que la population n'a pas gen zam nan men li même, alors que la police n'a pas assassiné dans la rue. Besap, pour que j'aime vraiment montrer une attaque, ou du moins ce qui est fait en barba, on n'a pas besoin de la guerre dans le pays. On a besoin d'une révolution sociale. Et dans cette révolution sociale, il va y avoir aussi des attaques politiques. Donc, nous t'aimons comprendre ce qui a passé très bien en dedans de la population, parce que nous, là, nous, ces moun, nous comprendre ce qui a passé là. Si nous besoin pays, j'en te dis, Guy Philippe, faut que nous baillons tête nos pays que nous voulons. Eh bien, ou même tout souvenir de ou dit à vos risques et périls, eh bien, c'est pour montrer vraiment qu'on met pio à terre militairement et que pour révolution, qu'a avancé avec force. Moi, je suis certain qu'il y a une majorité policiers qui besoin, yo même tout, yo besoin converti tête pour yo bail le temps parce que yo même yo pas à l'aise dans situation il y a ka gen des policiers qui gang c'est vrai ka gen policiers qui veulent aider pour qui veulent travailler avec gouvernement c'est vrai mais gen majorité police là yo même tout pour yo quitter police pour y a une révolution hein, faut yo senti gon bail positif k'ap fait parce que nous même qui dans diaspora nous pou qu'on senti bagay positif k'ap fait là et nous besoin sentil. C'est vrai, nous nous portons pour collaboration. Nou. Et nous continuons à porter collaboration parce que nous avons besoin de libérer le pays. Nous avons des problèmes, nous avons besoin rentrer la caille, nous avons besoin de libérer le pays. Nous avons besoin de pays à libérer pour toute petite liquide dehors capable de rentrer la donne. Mais nous-mêmes qui l'a déjà et qui avons capacité dans nous pour nous faire travail là, montrer que nous avons fait travail là tout le bon vrai. Comme ça, tout le monde a bon espoir. Moi, qu'on est révolution, ce n'est pas du jour au lendemain, mais tant mort, il y a trop. Moi, t'as souhaité que chaque monde qui tend des voix là, fait l'aller plus loin, transférer le plus loin pour l'autre monde qui attendait, parce que nous avons vraiment besoin d'un changement réel. Au moins, nous avons chanté en notre liberté, nous sommes capables de chanter la paix au niveau international là, pour nous dire, halte là, bouquet, emmerder Haïti. Nous même pour nous bailler le ton par nous, nous besoin sentir que Haïti prêt pour recevoir force là. Parce que l'opéra dit au monde à un niveau, ou pral di au monde à un niveau faire respect campé là faut que koto pral di faire respect là ou même tout faut préparer respect pa ou. Donc avant nous même dans diaspora pour nous ta camper complètement pour nous dire que faut que tout contrat tout ça que t'es signé soit Haïti faut yo redéfini et nous même tout faut nous gon décision pour nous le prendre et pas oublier décision diaspora au niveau international li pa pon ti jouet. Donc si nous gon bagay n'a fait qui pour garantir ça pour diaspora a fait côté lia faut que nous fèl. J'aimerais te dire et fais voix ça avancer partager tout côté nous voulez pour qu'a permettre li rive à bon endroit quel que soit monde qui tande là. Merci. Gagné et maître Ronald Richemont qui a volé tête diaspora l'autre bois dans Grand Sud et bien et nous va l'entendre causer et bien SOS journaliste yo joindre ses commissaires gouvernement au Kaila Ronald Richemont et bien qui t'ai fait touiller journaliste que les tests Gary famille journaliste là besoin justice. Ah attendez bien yo invité Ronald Richemont pour la répondre question la justice li pas mettre pied parce qu'ils sont autorité ils sont gauche à braque gagne gros âme dans men li pas mettre pied et bien famille journaliste là besoin connait pour qui ça Ronald Richemont touiller journaliste là. Eh bien, il y a un monsieur là qui parle les mêmes et un nègre là qui est obligé de raconter tout le bagaille. On a écouté Kembe, il a raconté tout ce qui passe à net sous dossier assassinat journaliste là. Eh bien, aujourd'hui, si Ronald Richemont, tout est journaliste là, eh bien, qu'on est là, bagaille a fait secret, Ronald Richemont a fait famille en pression parce que famille a demandé, faut que les jeunes justice. Eh bien, il y a un Guy Delva qui t'a fait expliquer dossier, mesdames, messieurs, avec tout le monde prisonnier. Prisonnier a bail détail, prisonnier a expliqué, c'est Ronald Richemont qui fait complot pour tout est journaliste là. Ronald Richemont qui a fait tout la réelle, Ronald Richemont qui a volé tête diaspora dans le grand site. Bon, faire nous t'aider ensemble, mettez branché, m'a tourné. Pierre Ricardo Ben, un peu le monde connaît son nom, Chito Ben. Li avoué, week-end qui se passe à la, by équipe enquêteur SOS journaliste, yo, eh bien, qu'il participe, ou bien il te participe dans le complot qui te visé assassiner journaliste Gary Tess, mais Chito Ben fait qu'on aime,
li pat vraiment d'accord avec plan macabre ça n'a assisté n'a pas cité pardon commissaire Richemont lui-même était orchestré qui était visé assassin des journalistes cependant Ben dit il était obligé faire semblant pour lui-même être capable sauver la vie li planification assassinat c'est moi-même même qui t'ai élaboré ensemble avec commissaire Richemont et puis Montimé Jean-Michel c'est ça Chito Ben déclaré par équipe SOS journaliste pendant li nan prison nan commune Carrefour zone métropolitaine Port-au-Prince c'était nous tous les trois qui planifié assassinat mais yo pas de connaît si moi pas vraiment d'accord avec décision hein c'est ça Ben ni même li poursuivre pour le dire bon côté nous toi tu gagne weekend senti au jeune avec Patrick Clerville Ben aller plus loin pour le dire l'autre moun yo qui fait partie garde du corps Richemont yo pas informé et ça ne planifié parce que Richemont lui-même l'était évité impliqué trois moun parce qu'il était peur pour pas gagner nan yo qui révéler secret donc c'est ça Ben ni même li continuer ajouter dans conversation équipe SOS journaliste te gagné avec li journaliste Garité ça qui t'a animé un talk show qui très populaire sur le bon FM te porté disparu nous songe ça le 18 octobre 2022 mais yo t'a pral joindre call sans vie le 24 octobre même année non petit quartier qui est le Foco aux environs de Okaï Garité ni même et te kon a critiqué Richemont pour une série de mauvaises affaires te kon fait parmi arrestation et détention arbitraire exécution sommaire conflit et terrien ou bien foncier et la trier nous y avec nous Solina Guilherme Delva qui est MC principal et responsable sur les journalistes qui va aller nous comprendre dernière note en date ça me pensais qui gagne des révélations fracassantes dit bonjour Adjani là. Ok. Bon, monsieur, son situation qui est extrêmement grave. Moi, je vais commencer à travailler sur le dossier. Ça, je vais m'écrire. Bon, je ne vais pas dormir. Parce que là, vous le savez, pour moi, qui est Jean, le commissaire gouvernement, qui l'a pour assurer mon justice, c'est lui-même qui a comploté. Attention, monsieur, vous ne pouvez pas parler à la légère. Moi, je suis responsable. Et ça m'a dit, je connais la gravité. Donc, si je dis que le commissaire Richemont a un pile de questions pour répondre, parce qu'il a cloué avec complot pour assassiner le journaliste Gaïtès, je ne peux pas parler en l'air, parce que c'est extrêmement grave. Et je connais ça, ça me l'a dit. Et c'est pour ça que nous demandons, et ça étonne, pour le gouvernement, à continuer à cautionner comme ça, ou assassiner comme ça. Et moi, je lance un appel par le Premier ministre Ariel Henry et par le ministre de Justice Émile Prophète pour que rapidement, il puisse débarrasser Richemont de l'autorité Ligue qui fait la bloquer le dossier jusqu'à présent. Mais je mettais tout ça possible pour empêcher le dossier d'avancer. Donc, c'est un procès qu'on a fait. Et puis, je dis c'est Richemont qui est procureur, qui est commissaire gouvernement. Alors que le gouvernement, c'est lui-même qui peut activer, c'est lui-même pour faire le dossier à marcher. Eh bien, c'est la même chose. Je suis assez. Donc, l'organisme, déjà qui posait déjà. Si tu n'as pas parlé là, je joue dans le Carrefour, alors que le dossier a été au CAI. Mais c'est la prison au CAI, l'été. Je t'ai demandé pour lui, je joue bien, je dis. Et vous recherchez, monsieur, pour pouvoir venir parler devant. Puis moi-même, au lieu de prendre un petit peu de devant le juge là, il prend le Carrefour. Vous ne pouvez pas venir. Nous comprenons, monsieur. Nous là, oui. Absolument. Donc, actuellement, jusqu'à présent, je m'appelle avec la Chito Carrefour, alors que le dossier a pété au CAI. Et puis, l'autre bar encore, nous te rappelons, nous disons que le commissaire a fait une fausse ordonnance, que les voyages pour la guerre, pour la Tyrogène, alias Mouchon, Wilkins Tyrogène. Donc, son fausse ordonnance était, parce que le juge a confirmé, il n'y a pas de ordonnance ça. Mais le juge a ordonnance quand même, il y a un appel à un garde de prison. Donc, ça va extrêmement grave. Et je ne comprends pas comment le ministère de la Justice n'a pas jamais dit rien sur ça, jusqu'à présent. Et l'autre bagaille, il y a des policiers qui accompagnent le commissaire. Et même dans le bureau commissaire, parce que moi, je ne vais pas aller en l'air, même déplacer mal au CAI, mal le bureau commissaire, je ne suis pas la veille. Qui était de la police là, je vais arriver le policier, je vais jamais aller. Malgré le commissaire me dit, commissaire, pour le policier qui apparaît, pour lui-même qu'a fait.
si pas gagné pour eux, pas gagné pour eux, mais il faut y aller. Mais le commissaire répond, moi, je me dis, c'est pas lui qui dit ça pour faire, c'est lui qui a décidé pour connaître si vous pouvez aller devant le juge, c'est pas pour aller. Donc, c'est comme ça répond, et puis il a tendu, et un n'est pas jamais fait, parce qu'il a bloqué le dossier, et jusqu'à présent, le dossier a la main, alors qu'il n'a pas de tout la main. Ça va nous tenter de retourner le bas juge là. Il n'a pas jamais retourné le dossier. Jusqu'à présent, le dossier a confisqué. Et puis, donc, comme c'est comme ça, alors, on va faire procès, et puis, c'est le commissaire gouvernement. Moi-même, nous-mêmes, nous demandons au ministre de la Justice, encore une fois, au ministre Ariel Henry, forgeant, rapide au presso, nous besoin pour les citoyens mettre à la disposition de la justice. Et pour le faire comme ces citoyens, pour qu'à poser une question en bonne et du forme, donc il faut ça faire rapidement. Et l'autre bagarre, vous comprenez bien, monsieur. Et je l'ai dit, ça c'est disparaître le 18 octobre. Comme on disparaît, nous ne pouvons pas comprendre, ça qui arrive. Bon, on va me comprendre quand il disparaît. Il n'y a pas qu'au well, il n'y a pas retourné la CAILI le 18 octobre. Comment on peut faire comprendre, 19 octobre, le matin, le commissaire Level qui a arrêté Chito. Alors que Paco Garek dit, famille Chito, famille Chito, pas vos déplaintes, personne n'a pas dit qu'il y a un problème. Le commissaire Level, comme il connaît Chito, c'est là, les planifications criminelles, les TV a arrêté Chito pour rien. Ce n'est pas qu'il n'y a aucune raison pour qu'ils aient arrêté. Juste pour que Chito va parler. Le 19 octobre 2022, le commissaire Level a arrêté Chito. Alors que le 18, il a cherché Chito, il n'y a pas well. Il a Chito, il a cherché Garites, il n'est pas entré la Cali. Mais le lendemain matin, il a arrêté Chito, sous base comme si Garites. Bon, par contre, c'est sous base, il n'y a pas dit ça. Il n'y a pas dit pour qui ça, jusqu'à présent, Chito dans la prison là, le Carrefour. Personne n'a connu dans quelles conditions. Il a juste exilé, monsieur, pour ne pas répondre à une question, pour ne pas avoir information. Donc, monsieur, aux situations comme ça, au commissaire gouvernement, ce n'est pas élu l'élu, ce n'est pas un mandat gagné. Même besoin qu'on ait pour qui ça, pour le ministre Ariel Henry. Même parce que ce n'est pas ça qu'il y a besoin qu'on y a là. Pour le ministre Ariel Henry, moi, j'ai gardé le problème pour le résoudre dans le pays. Pour la DC. Ce n'est pas où l'enrichement pour l'État qui t'a fait le pétenter. Mais le ministre de Justice, ça, et le prophète, en plus de ça, ça comme plus estomacé. Le ministre de Justice, qui sont journalistes. Monsieur, moi, ça ne m'a pas compris jusqu'à présent, ça fait mal. Pour moi, et le prophète, jusqu'à présent, Kembe Richmond a fait ça à faire un OK. C'est pas sérieux. En tout cas, je pense que révélation ça, yo vient quand même, mettons le poids. Oui, alors bon, je vais vous dire. Alors, je t'ai expliqué que les réaliser, il dit, toutes les des fois, Richmond a parlé. Alors, tu comprends que. Peut-être que ce stratégie ne va pas jusqu'au bout, vrai. Monsieur dit, bon moment qu'il est, l'équipement de Richmond, gros petit combat, monsieur, peut-être son petit combat, qu'on ne peut pas faire un journaliste. Lors de la frappe, comme ça, peut-être, il y a besoin de bagaille. La gobaille, la même, monsieur. On a eu un temps, pour qu'il y ait le code Garites, pour qu'il y ait un code. On a, si toi, le code Garites, il dit Garites, notre 200 000 gouttes, que. Commissaire Kabali, pour le frère. Le journaliste a dit, monsieur, elle dit, monsieur, pas question, il parle pas de ça. Quand il y a là, laisse un nègre dire, ok, si monsieur c'est comme ça, il va oublier et Anthony, eh bien, il va pas sur l'audience. Il a dit ça clair, oui. Et puis, quand il y a là, c'est crime ça. Comment tu as fait accepter le crime comme ça? Et puis, regardez les photos. Monsieur, je ne vois pas les photos, je ne vois pas. Monsieur, c'est sacrifier mon nom. Pour quelle raison? Pour sacrifier mon nom comme ça. Monsieur, bon, je connais le public, tout le public, pas qu'à faire photo ça, parce que si pas photo moi même qu'à regarder, il faut que je bon, pas me regarder encore. C'est pas grave, monsieur. On a conclu. Bon, moi-même, au seul conclusion, c'est pour le ministre Ariel Henry. Parce que, Richmond, il va mettre tête libre. Ce commissaire gouvernement qui est nommé par le gouvernement. Donc si le gouvernement n'a pas cautionné ça l'affaire, arbitré l'affaire, et nous avons... Bon, regardez, je vais révéler tout le bagage, mais
nous avons des journalistes associés à l'organisation du journalisme, pas en Haïti seulement. Par exemple, si vous regardez notre CPJ, Comité de protection du journaliste, qui sortit une note là, et m'a envoyé pour nous plus tard, pour nous, bon, lundi, pour me dire, au niveau international, tout journaliste concerné, il y a notre cabinet de notre organisation. Donc, je pense que c'est ça que le Premier ministre Ariel Henry Bejoué Kounia là, pour mettre tête parmi les prédateurs de la liberté de la presse. Et moi-même, c'est une première monde qui a voulu camper contre le gouvernement. Ça, c'est le camper comme ça. Parce que nous ne pouvons accepter qu'aucun monde vienne faire dictature, empêcher les journalistes de fonctionner. Et les journalistes assassinés, ou qu'il y ait des commissaires de gouvernement, en gros point, ça ne va pas passer. Qu'est-ce que là, monsieur? Merci beaucoup. Voilà, et sous demande d'un pile fanatique qui était écrit nous pour nous rediffuser mission ça à côté Maître Mourin. Côté Maître Mourin a expliqué le problème qui gagne dans la boîte de justice là dans le pays d'Haïti. Nous connaissons Maître Mourin qui a mené une bataille et bataille contre la corruption dans le pays, quand on sait des volets, craser boîte l'État, et bien c'est un juge lui-même qui parle dans personne, un juge qui a parlé de ce qui a passé dans le pays, qui a dénoncé tout, et bien qu'on y a la juge Mourin a pris un pile pression. Et bien, juge Mourin a fait une interview dans Magic 9, et bien fanatique qui a voulu le bon moment, il a dit pour me rediffuser parce que ça a. Jugement y a parlé yo les mots là c'est supposé tendre yo ça qu'a passé dans boîte justice là dans pays d'Haïti peut-être ou même qui dans international là ou par contre comment ça fonctionner ou par contre qui bataille j ça mené et bien m'bra le faire tendre yon interview côté juge là t'a parlé ça qu'a passé dans boîte justice noir dans pays d'Haïti bien sûr interview qui gagne en pile parole là-dedans mais valait à peine et pour un petit temps chita là pour capable tendre et qui ça bagaille comment ça fonctionner qui pression juge là prend qui gauche abra cap taille banda kap vole nan boîte l'état yo et bien moi pote interview a pou nan déplamen on pote chaise ba pour nous tande juge Mourin qui pral parler mesdames messieurs des questions justice là dans pays d'Haïti ou supposé tande pour comprendre bien ça kap passe pour comprendre bien comment système ça fonctionner dans pays d'Haïti on chita ensemble pour nous suivre et interview a complet côté juge Mourin t'a parlé chaîne parler Haïti moi nous tout merci en pile on suivre président Adama juge William Mourin sous certification alors sur nouvelle liste de certification CSPJ Conseil supérieur du pouvoir judiciaire Maître Mourin qui est déjà là avec nous. Maître Mourin, bonjour, c'est un plaisir pour nous accueillir sur panel Magic Matter. Bonjour sir, bonjour et toute l'autre journaliste qui sont au panel là, c'est avec plaisir pour me répondre à la question nous matin. Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dans les statuts sur 60 dossiers de magistrats qui alors dossier ça qui transmet justement alors c'est ça qui a été transmis par la commission technique de certification CTC. Il y a 30 magistrats qui certifiés, il y a 12 magistrats qui non certifiés pour divers motifs là d'ailleurs absence d'intégrité, rançonnement de justiciables, études académiques déficientes. Qui a un point de vue, Anama, par rapport à la nouvelle liste, M. Petmoué? Alors, depuis avant la publication officielle de la liste, Anama a été fait par note, côté que l'IT fait état de questions et l'IT by point de vue, que n'a pas prendre un petit peu et pour vous, je dis. Et Anama croit que la certification est obligatoire parce que c'est une loi. La loi et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est même consacré tout par la loi et sur et le statut des magistrats. Les articles 69-70 les précisaient que faut gagner une certification et les dit mais comment et mais qui est-ce qui doit certifier et dans qui durée certification doit faite. Donc pour nous autres la certification il n'y a pas à sortir de là, c'est une loi, c'est une obligation, il faut poursuivre avec la certification. Maintenant en ce qui concerne la dernière liste de certification qui sortit, nous-mêmes au niveau de la NAMA, nous dit que très bien que le CSPJ l'y continue avec la certification, nous prend acte de ça parce que c'est exactement tout ce que la loi mandé CSPJ pour le faire, l'in attribution CSPJ pour que les recevoir du centre technique de certification et des résultats d'enquête
que lui-même lui doit plancher sur ça et déclarer certifié ou non certifié des magistrats. Cependant, nous toujours gagnons de réserves que nous formulons et première réserve que nous formulons ces derniers jours, c'est que nous croyons que Jean Payaye jeudi à là, dans le niveau que Paya a évolué jeudi à là, et certification, hein, nous pensons ça capable bail quelques problèmes par rapport avec la non possibilité des enquêteurs pour aller sur le terrain, parce que si on fait enquête qui concernait carrière et au monde qui concernait et caractère li, qui concernait famille, qui concernait et passage li non système judiciaire, c'est bon bagay ou capable prendre à la légère, c'est bon bagay ou capable prendre et simple comme ça, parce que la décision que CSPJ a prend les pas gain incidence sous l'avenir magistral, les pas gain incidence sous famille, les pas gain incidence sous réputation, les pas gain incidence sous et carrière li. Donc on croit que son bagage qui doit fait avec sérénité et avec un peu de science. Or journée jeudi, hein, les enquêteurs ne peuvent pas aller sur le terrain. Les enquêteurs, c'est plus par téléphone, c'est plus par de correspondance peut-être, ou par des emails que y a fonctionné, parce qu'on peut pas demander par exemple un monde qui parle Saint-Marc, qui est dans la juridiction Saint-Marc, on peut pas le traverser et Canaran pour aller Saint-Marc, c'est pas aisé. Et un monde qui est dans le sud à Jérémy, qui est, disons, qui est dans la grande à Jérémy, qui est dans le sud au Caille, ou bien qui est dans l'Artibonite, ou bien, ou du moins un magistrat qui est dans Nip. Donc c'est sud là pour faire quand bien même ou bien dans sud-est, c'est route martissant pour prendre quand même. Donc il y a un pile de difficultés pour yon enquêteur qui sorti Port-au-Prince pour aller à dans ces endroits pour mener des enquêtes. Donc sur ce, nous même nous croyons que ça capable un petit peu biaiser l'enquête, parce que on doit relo mon téléphone, mon intégrer un dossier que magistrat a traité, voilà que les magistrats pas bali traitement que l'état de Bali et selon mon nana indépendance magistrat lui-même lui souverain lui décider en son âme et conscience, voilà que tout le monde toujours pensait que il y a raison, et puis c'est ce monde sont tombés dans téléphone l'abzo toute bagaille de magistrat et des choses des fois qui pas vérifiées. Donc à ce niveau-là, me pensais que Fox SPJ a fait très attention pour que le pas gain de fausses informations, de manière pour que il pas et faussement et mettez de monde à l'écart du système, alors que routio pays environnement sécuritaire là fait que enquêteur il va pas déplacer. Mm-hmm. Ensuite continuer ensuite que nous gagnons l'autre réserve encore, et lorsque nous trouvons une situation aussi fragile et instable comme la situation d'Haïti, lorsque on prend décision ça, il faut ou mieux faut que les réfléchir mûrement, faut que les scientifiquement et ou capable prouver, et faut qu'on baille possibilité à monde qui lui-même concerné par décision possibilité pour l'expliquer lui. Or nous connaissons que les enquêteurs des fois c'est à l'insu de magistrat que lui fait enquête là, et enquêteur de très bonne foi, c'est de monde qui pas contre magistrat et des fois il pas aucune volonté faire aucune peine avec magistrat. Donc non pas capable jeter le tort sur les enquêteurs. Cependant, nous croyons que toute œuvre humaine est imparfaite. Donc c'est peut-être ça que même dans la justice et le législateur lui prévoit des recours qui pour permettre que l'homme victime d'une décision lui capable et formuler un recours, lui capable aller devant la cour d'appel, lui interjeter un appel, lui capable font un recours devant la cour de cassation s'il sortit un appel, et puis même bah là même décision demeurée. Donc il y a possibilité pour mon homme de révision
de décision par une autre entité. Donc, moi, je crois que l'étape très sage pour CSPJA, pour ta former une commission qui gagne la dernière des conseillers, qui gagne la dernière peut-être l'autre monde, par exemple, un représentant des droits humains, un représentant des associations de magistrats, hein, ou deux représentants des associations de magistrats, alors là, il y a capable de permettre que le magistrat vienne gagner connaissance de son dossier, et puis si on bagaille lui-même l'estime qu'il était maltraité, mal interprété, il est capable de demander pour être capable de faire une révision de dossier. Hein. Et si la chose demeure, ce magistrat sera déclaré finalement et non certifié. Mm-hmm. Mais donc ça veut dire qu'il aura participé. Vous estimez que la décision est prise de manière arbitraire? Je ne suis pas capable de dire qu'il est prise de manière arbitraire. Parce que la loi, dans l'interprétation par rapport avec l'ensemble de juristes, il n'y a pas gagné un côté que la loi parlait de recours. Ça, il faut nous reconnaître que les parents côté parler de recours. Bon, il n'est pas dit non plus pas de recours. Est-ce que nous comprenons? Cependant, nous connaissons que dans toute convention que Haïti si a ratifiée, il est clairement que tout le monde est doué gagner un pouvoir pour le défendre tête li dans quelque soit situation côté lié. D'ailleurs, le droit de recours, son droit consacré lié à tout le monde qui a devant une juridiction, devant une instance, il y a une possibilité pour le demander une révision de dossier. Alors, ce que moi-même, moi, crois, moi crois enquête yo capable faite de bonne foi, moi crois que rapport yo rédigé par des humains et ça qu'arrivé qu'un des erreurs qui glissait la dedans. Donc dans ce cadre là, nous t'a souhaité que magistrat lui-même qui y a certifié, hein, lui ait connaissance de dossier qui dit qui déclaré qui qu'a fait le déclaré non certifié, hein. Et si il y a possibilité pour porter information ou explication à point ça qui un petit peu paraît que il viole la loi ou bien qui fait que il déclaré non certifié, je pense que c'est pas tant une mauvaise chose. Mm-hmm. Donc si nous comprenons par rapport avec premier argument que vous énoncez, CSPJ est supposé et statut, alors il est supposé fait un petit campé provisoirement sous émission de certificat ou non et de juge par rapport avec contexte insécurité. Exactement, exactement. Moi, je crois que certification hein, que la loi consacrée est tellement important et importance liée pour la société hein, parce que FOC, il faut qu'ils font épuration de la magistrature haïtienne parce que nous, pas sans savoir, tout le monde au courant, c'est pas un secret de polichinelle, tout le monde au courant que gagne en pile corruption au niveau de la magistrature haïtienne. C'est dénoncé et chaque jour, l'écho est dans et les journaux et dans la presse parlée, écrite et télévisée. Donc, écoutez, c'est pas un bagage, c'est pas un secret pour personne du monde qu'il y a une certaine corruption au niveau de la magistrature. Cependant, nous croyons tout que l'Europe prend une décision aussi importante qui prend, dit que tel monde m'a quitté dans le système, non, il est bon, tel monde m'a retiré dans le système, non, il n'est pas bon. Moi, t'as souhaité que nous pas quitté de monde dans le système, non, qui n'est pas la vérité. Parce que je dis à la, puisque et nous pas qu'aller sur le terrain, puisque c'est à travers et les réseaux sociaux, à travers le téléphone ou bien les autres moyens de communication que n'a fait enquête, et nous avons fait enquête là ou par une possibilité vraiment pour capable et rendre compte est-ce que les ont une bonne information ou bien une mauvaise information. Donc, mon nègre doit bien au magistrat, et puis, il y a de très bonnes notes pour le magistrat avec un système. Non. Alors que, sur le terrain, on t'apprend que le magistrat ça, est très mauvais, il n'y a pas de droit avec un système. Non. Et l'inverse est aussi vrai. Donc, c'est dans ce cadre-là, moi-même, je t'ai souhaité, en attendant que
sécurité rétablie dans les juridictions et que gagne libre circulation des personnes dans tout pays. Hein? Côté que CSPJ a capable de commission, le CTCI a capable de enquêter sur le terrain à le travail, l'État bon pour faire un petit campé sous certification en Kounia. Et maintenant, on m'a dit que nous avons dit que nous avons dit la sécurité, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que de jour en jour, il y a plus compliqué. Est-ce que nous avons toujours été dans le système si c'est des plaintes qui ont porté pour nous? Parce que je pense que ce n'est pas des gens que c'est du jour au lendemain. Et CSPJ juste recevoir soit des plaintes ou bien à l'enquêter sur eux, c'est que peut-être c'est qu'un travail continuel, mais quand il y a un synaptan, c'est pour la sécurité rétablie, pour soit mener enquête gens ça t'a doué fait. Est-ce que mon ça y a là y a pas toujours continuer à faire même ça au qu'on fait parce qu'on a pour des motifs qui dit mon yo très décrié. Imagine tant que gens nous toujours prendre comme la Bible qui dit la justice élève une nation pour gagner des juges qui très décriés pour y a perdurer dans même travail ça encore. Je suis d'accord avec vous et vous avez parlé le même langage que moi et vous avez dit c'est la même chose que moi. Qui ça vous dit là, vous dit est-ce que faut que mon travail dans le système? Non, mais non, si y a pas dans le système non. Maintenant, l'ont déclaré mon ça très décrié, qui est-ce qui décrié? À quel pourcentage de décrire dans la juridiction? Qui moun ou t'étendé? Et moun sort t'étendé, est-ce que moun sa crédible? Mais si on parle sur le terrain, c'est dans le téléphone ou l'on moun. Et si moun sa lui-même, li pas gagné un bon rapport avec le magistrat, li doit pas n'importe déclaration. Combien moun ou t'étendé? Maintenant, constate ou capable de lire un magistrat? Ou dit ou capable le monde on a tellement aimé magistrat parce que il n'en combine avec magistrat et puis il bon bon rapport de magistrat alors que magistrat ça pas doit être dans système non. Donc de même que non ou capable quitter mauvais magistrat dans système non comme ça tout cas mettre bon magistrat dehors. Donc nous mandé faut qu'enquête la faite avec science, faut qu'enquête là li faite avec sérénité et c'est dans ce cadre là nous dit que l'état plus bon que c'est l'enquêteur sur le terrain que capable sur le terrain que yo continuer pour pas faire pour pas quitter de monde pas droit quitter le système non parce que on doit on connaît gain de monde qui capable certifier et puis le walmen enquête ou que monde ça il pas mérité certifier. Moi t'étends donc le magistrat qui certifié et puis gain des organisations de droits humains qui viennent en équipe dossier et bien d'où mais voilà ce que magistrat a fait alors qu'elle t'a déclaré certifié. Est-ce qu'on commence à mettre de là? Donc dans même moi t'as souhaité que gain sécurité parce que t'as dit que gain pile mesure qui apprend alors ça ne me concerne pas en tant que magistrat mais écoutez en tant que citoyen moi t'as dit gain pile mesure qui apprend qui pour permettre et t'as gagné une possibilité pour t'as rétabli l'ordre et la sécurité dans le pays. T'as souhaité que ça t'est fait rapidement mais quand bien même lorsque nous savons que on n'a pas de décision qui concernait l'avenir d'un citoyen. Lorsqu'on n'a pas de décision qui concernait l'avenir d'un système judiciaire, on n'a pas prendre de manière légère parce que faut que nous fassions et pour que pas gagner abus, pas gagner négligence. Et des deux côtés, pas de négligence pour quitter un monde qui n'a pas droit de quitter dans le système. Là. Et pas de négligence pour que ou et fait en sorte tout qu'on monde que pour le passé dans l'eau monde qui pas qui t'a doué dans l'eau monde qui sorti mais qui t'a doué rester dans système. Mais peut-être que deux monde lecture rapport là qui t'a dit bon est-ce que CSPJ il pas prend précaution ça parce que les m'a regardé gagner deux juges pas statué sous il pas statué sous cause yo il gagne il dit quoi gagne on bagatelle de 18 juges il dit que situation elle mandé on de recherche qui beaucoup plus approfondie avant que yo
statut au souli. Exactement, pas, exactement. C'est tout ça qui montre que c'est tout ça qui montre que l'important l'important pour que nous mettions en pile accent sous processus là pour processus ça cap très crédible, plus crédible. On va dire il pas crédible non. Au contraire, moi-même trouvais que yo fait pile effort parce que yo pas campé, yo continué travail. Mais moi-même en tant que président d'association de magistrats, moi quoi que l'important que pour moi veiller au grain et permettre à ce que porter deux conseils by et le CSPJ pour permettre que les mieux appréhender questions, mieux étudier les et pour prendre de meilleures décisions. Parce que figurez-vous que un magistrat qui lui-même Saint-Marc qui relaie nous dans le téléphone qui dit écoutez magistrat moi j'ai 16 ans, j'ai 20 ans m'a bail service dans à la justice haïtienne m'a travaillé la donne. Voilà que un matin moi levé me très décrié, me très ceci, me très cela. Il dit, écoutez, ça peut arriver que y ait porté de plainte pour dans CSPJ, ça peut arriver que il y ait de bagailles que, pardon, excusez-nous, qu'on fait, ou même peut-être qu'on ne peut pas rendre compte qu'on fait, parce que, bon, m'expliquons, c'est simple. Un magistrat qui a un exemple, un magistrat qui prend pas tant les fonds boutiques, par exemple, mon nègre doit pas même connaître le pas de gain boutique. Ça, c'est un moyen pour mon n'a pas certifié. Moins d'accord que ça qu'arrive qu'il y a plusieurs éléments qui qu'a fait un monde pas certifié. Mais certification trop importante, li trop exigeante et li trop importante pour société à que nous faisons de manière côté que le monde qui a crié abus. Faut que monde ça yo pas joindre possibilité pour yo capable crier abus. Faut que bagaille là les fait dans toute transparence, dans toute sérénité. Ça dit que magistrat, même dit transparence là. Sous dit par exemple, un magistrat, il y a telle plainte contre lui, mais faut confronter la plainte là. Son bagaille qui est simple. Je vais porter plainte pour Ilver, et puis que n'y a pas confronté à plainte là, puis je joue seulement sous sa moi-même dia. Faut que confronté à plainte là pour connaître que tel monde a porté plainte bah, pour contre vous, et les ça ou même ou capable d'explication. Donc ça c'est très important. Donc moi crois que oui, il faut continuer avec la certification. La certification est importante. Nous-mêmes nous en avons toujours pour la certification. Mais nous avons souhaité que il y ait possibilité pour inspecteurs, pour enquêteurs capables d'aller sur place. Maintenant, pas gagné aucun recours légal en magistrat capable de prendre pour les peut-être contester certification. Oui, quittez-moi dire que la loi de novembre 2007 là qui portait création CSPJ, loi porte statut des magistrats, qui lui-même, on connaît l'article 69-70, qui parlait de certification, lui pas parler de recours. C'est-à-dire que loi pas prévoit en lui-même, il y a une possibilité de recours pour magistrats, mais lui pas dit tout, pas de recours. Cependant, nous connaît que et les consacrer dans le droit monde, quel que soit le monde, les doués capables de gagner possibilité pour gagner en défense dans tout, devant toute juridiction, devant toute instance que les présenter. Donc, certification, c'est pas une audience liée, c'est pas un tribunal disciplinaire lié, c'est une enquête qui menait et à partir de l'enquête, ils mettaient soit à l'écart du système ou du moins ou certifié pour être dans le système là. Puisque loi a pas dit qu'il y a recours, mais gagnent de conventions, gagnent de traités, ensemble de l'autre loi qui était existé avant, qui
consacrer droit pour gain défense, droit pour mande révision de dossier. Et ceci, c'est pas seulement en Haïti et même et au niveau international. Dans ce cadre-là, nous pensons que CSPJ a l'Italien doit pas bailler recours approprié parce que c'est pas ton audience qui était faite. Mais cependant, l'est capable toujours créer une commission qui peut permettre que on révision qui fait de rapport yo, c'est-à-dire nous-mêmes nous proposer pour taguer un membre du disons des membres du CTC qui ont même de rédiger rapport qui capable ba explication sur lui, gagner tout des représentants de magistrats, gagner tout et des conseillers là-dedans qui est capable chita avec magistrats qui concernés hein, avec dossier hein, avec rapport là, avec différentes plaintes, avec différentes enquêtes yo, et puis pour capable et par magistrat possibilité pour le défendre tête li. L'obay magistrat possibilité pour le défendre tête li, ça pas dit pour autant que li pral rete dans le système non. Et parce que si qu'on rapport qui fait et que c'est un rapport de terrain gagné en pile bagaille qui vérifie la donne, ça pourrait le permettre que tout au moins écoutez et les membres du CTC qui a fait ouais mais pour qui ça yo mettez ça dans rapport hein, et puis conseiller au capable dit à cause de ça yo prend telle décision et puis magistrat dit que lui-même c'est pas de quoi ça taille mais qu'ils ont taille c'est peut-être que de recommandation que et commission ça a fait à conseil là et peut-être conseil là qu'a reconsidéré ou bien conseil là qu'a toujours quimbé même décision qu'elle te prend initialement. Maintenant il y a des monde qui estimait que pas certifié juge, bien non certification de juge, c'est une décision qui est trop faible par rapport avec peut-être de dérives que de juge fait dans le système judiciaire, de dérives avec qui poser poté de préjudice par rapport avec de justiciables, de dérives qui causer du tort avec paysans. Maintenant, pas choisi non seulement pas choisi pas certifié juge, c'est une décision qui est trop faible. Je estime que vous devez aller beaucoup plus loin et poursuivre magistrat ça et la justice en façon pour essayer de couper court avec dérive ça qui et position par rapport avec de tels arguments maître Moore. Comme donc que loi lui-même lui juste mandé pour que il mette magistrat à l'écart. Cependant bon, dans des diverses considérations qui faites, mais lorsque gagnent de crimes, de délits qui commettent dans une société, la loi dit qui est-ce qui a saisi et qui est-ce qui est capable de porter devant le tribunal. Mais c'est pas CSPJ qui a gagné pour le faire, parce que CSPJ a travaillé au bal faire, c'est certifié magistrat ou non certifié. Mais nous connaissons dans toute société et le commissaire du gouvernement capable de saisir le tout dossier. Qui gagne lorsque gagne de crimes de délits qui fait donc moun qui lésé à tout li capable toujours et porter plainte par devant une instance répressive d'accord c'est des choses qui existent mais la loi pas et CSPJ pour lui-même pour lui poursuivre magistrat non certifié hein, par devant la juridiction répressive. Dans le dossier judiciaire encore gagné CSPJ qui mandé à juge dimanche pour lui camper sous instruction dossier que l'état fait serré à cause mandat fini il signifie ça également signifié police nationale ça pour en façon pas exécuter peut-être d'une instruction que le juge Jean l'a fait alors il y a deux monde qui estimait que c'est une mauvaise approche c'est ce que j'ai fait nous devrions connaître position par rapport avec ça tout. Bon depuis que moi-même suis rentré dans le système là et depuis avant que moi t'ai milité comme avocat moi t'ai toujours connaît que et bon tout le monde d'accord que magistrat li gon mandat de 7 ans et lorsque li nommé juge et juge d'instruction en même temps mandat gagnait 7 ans de juge et puis 3 ans de juge d'instruction bon c'est comme ça que li fait en Haïti depuis longtemps
Donc, moi, tant des magistrats, moi, tant des interprétations là. Interprétations là, li mande débat. Et ou pas académique prend interprétation magistrat ou jeté dans la poubelle. Cependant, nous croyons que gonjan que l'ité qu'on fait déjà. Et si c'est comme ça l'ité qu'on fait, moi crois le CSPJ, le décanat du tribunal, c'est pas jodia pour yoté agi, yoté doué gétant agi, c'est-à-dire convoquer magistrat dans CSPJ ou bien convoquer magistrat dans décanat, faire débat avec magistrat sans avoir besoin de laver sur la place publique. Moi crois ça tape important que tu gagné en rencontre donc aux convocations que CSPJ a fait à magistrat. Parce que CSPJ n'a pas qu'à dire le patron du magistrat dans la radio. CSPJ n'a pas qu'à dire le patron au courant de diverses déclarations qui étaient faites et de débats qui étaient gagnés autour de fin mandat magistrat, que magistrat lui-même lui baille des explications à des de confrères de la presse. Donc, on croit que CSPJ agit après coup. Li agit après coup et si gagne un scandale jeudi a, si gagne un débat jeudi a, moi je rends responsable le CSPJ qui lui-même pas agi en avant-gardiste. Lorsque tu gagne un débat, CSPJ a te le convoqué et si CSPJ a pas voulu lui-même agir en tant qu'organe d'administration du pouvoir judiciaire, il était doué instruire le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince pour inviter le magistrat en son décanat. Pour te gagner un débat qui fait pour ça, te gagner une discussion pour faire tout ça. Et si magistrat pas v'l'étant des doyens pour compte lui, doyen te quand même convoquer ce qu'on appelle une assemblée générale des juges. Et en assemblée générale des juges, débat t'a fait et t'a pour résolution pour en assemblée générale des juges, laquelle résolution qui t'a payé, qui signifie ACSPJA, et peut-être les collègues magistrats sont capables dit magistrat en attendant que débat fait pour que nous ou elle ont l'autre gens, l'étape mieux que au sursoir. Et magistrat dimanche, c'est pour mon monde qui prend la bataille, la gourmet, etc. Magistrat dimanche tape toujours et vini discuter, débattre, et me sûr que et si il était fait comme ça, peut-être sacrivé à la, il pas t'a privé. Ça, c'est le premier point. Moi-même, parent et magistrat responsable, moi, rend CSPJ responsable, parce que CSPJ avec des canards du tribunal de présence de Port-au-Prince, il était doué déjà pour mesure ça avant que, et scandale ça, l'y pété. Et deuxièmement, je crois que secrétariat technique CSPJ très, 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 très mal agi. Et secrétariat technique CSPJ a mis les magistrats en insécurité. Et nous-mêmes, nous disons, quel que soit sacrifié magistrat, on a pris CSPJ avec le secrétariat technique là, responsable. Parce que nous connaissons dans quel pays que nous vivons. Nous connaissons la situation d'insécurité pays. Lorsque un magistrat lit toujours des mandats, oui, le mandat d'instruction gagne des débats sur lui selon magistrat. Mais si magistrat a toujours un mandat, il est encore juge en exercice. Et puis, ou gagnons une lettre interne qui prend au niveau du conseil pour que un secrétaire technique prenne le voyer by la police qui sont auxiliaires de la justice, alors que CSPJ n'a pas gagné pour passer la police là, aucune instruction. La police là, elle dépend du ministère de la justice. Elle n'a pas gagné rien pour louer avec CSPJ. Moi, me trouver, c'est très légère, elle n'est pas professionnelle du tout. Me trouver, elle n'est pas fait, elle n'est pas fait homme d'État, monde qui prend décision ça. Et n'importe magistrat mette mandat et contre un pile citoyen dans le pays et des citoyens de qui étaient occupés de hautes fonctions dans l'État. Et il y a des monde qui est capable de profiter, faire n'importe quoi. Donc, l'ETSA qui a la jeune police nationale là, et qui vient rendre public là, les mette magistrat dimanche en insécurité. Les mette, parce qu'on par contre, si on pas dit retirer sécurité magistrat, retirer et policiers qui attachent
en sécurité magistrat, à sécurité magistrat, il y a un droit. Ça qui arrive que, ouais, demain, si Dieu veut, M. LB retire, même Jean, M. Léon Charles, t'es retiré sécurité qui t'est détaché à même, lorsque, à une certaine époque. Et là, ça, vous mettez magistrat en insécurité. Il y a deux dossiers au magistrat qu'on a traité, même le pape traité encore. Ou pas qu'après magistrat, ou la gueule concerne la rue. Donc, on trouvait ça c'est légère, n'importe ça qui arrivait, nous même au niveau de l'Association nationale des magistrats haïtiens, n'a pas rendu responsable le CSPJ. On ne peut pas dire le CSPJ parce que pardonnez-moi si je dis le CSPJ, parce que m'entendez que un conseiller dit que le conseil n'est pas au courant de la lettre adressée à la police nationale, mais n'a pas rendu responsable le secrétariat technique là, qui prend sous lit pour le mettre magistrat dimanche en insécurité. Mm-hmm. Maintenant, il y a des gens qui disent que décision ça pour écrire magistrat là également, pour écrire police nationale, est-ce que ce n'est pas une décision qui a fragilisé le système là, compte tenu que magistrat a dossier la traité hein, et aux yeux de la nation, au lieu que l'Irangel au lieu que les on dit vous dorez blason système dans yeux population qui a estimé que c'est un système qui décrié même corrompu. Écoutez, je pense que une partie de la question nous était adressée déjà tout à l'heure, elle a parlé de certification. Mm-hmm. Tout le monde connaît que gagnent de problèmes au niveau de la magistrature et c'est pourquoi certification a existé, c'est pourquoi tribunal disciplinaire a existé. Et cependant, on croit que n'ont pas fait de action, n'ont pas posé de action pour nous fragiliser magistrature là, parce que jusqu'à présent c'est le seul pouvoir debout en Haïti légalement. Et on croit que il faut faire en sorte que nous fassions gens pour que nous rendre système là est crédible aux yeux de la population et faire en sorte que la population gagne foi dans le système judiciaire là. Et je crois que il y a un ensemble d'actions que de magistrats a posé ces derniers jours qui voyaient un peu l'espoir, surtout dans la lutte contre la corruption. Il y a de magistrats qui posaient de très bonnes actions qui montraient que le système là a propre une force là. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est son bagage qui patent dans les yeux en pile monde. Donc, cette lettre adressée à la police nationale, elle montrait que mon fébrilité au niveau de certains membres de dans CSPJA, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas maîtriser les contours de ce qu'on appelle un homme d'État, des hommes et des femmes d'État. Des fois, il y a des décisions qui sont très émotives, qui prend sur le coup de l'émotion, et des fois même, c'est des décisions qui prend dans le sens de la protection de la corruption, je reprends, il y a des décisions qui prend, il prend dans le sens de la protection de la corruption, la corruption, encadrer la position et bailler la main à la corruption, c'est pas décision qui prend qui pour fait que et yo traiter durement les corrompus et permettre que yo décourager eux pour pas continuer fait et commettre infraction sérieux et permettre que l'État jeune moyen pour le capable et servir population. Et c'est la justice dans tous les pays du monde qui permettent que l'État protège tête li à travers décisions qu'a prennent les cours et tribunaux et viennent faire que les décourager les corrompus, ils viennent décourager les criminels. C'est pas bien les tribunaux et les cours criminels yo tap connaît parce que juste côté n'a parlé ensemble voilà là. Et oui bandi au gagnent et carte blanche a couru monter descendre tout côté dans pays mais ils ont peur de la glaive de la justice. Tout n'est peut venir devant le juge, tout n'est peut venir devant les cours et tribunaux. Et si on n'est pas peur pour venir devant les cours et tribunaux, il n'y a pas même chercher à faire des contours pour des juges par eux, pour des commissaires gouvernement par eux, pour faire affaire par eux. Il n'y a pas quitter le système libre. Et ça fait moins dire que l'indépendance du pouvoir judiciaire,
c'est l'indépendance des magistrats, parce que le pouvoir judiciaire est exercé par les magistrats, par les juges, c'est par les, qui exerçaient le pouvoir judiciaire. Le CSPJ n'est autre que l'organe de l'administration du pouvoir judiciaire. Le CSPJ n'est pas le pouvoir judiciaire. La Constitution de la République d'Haïti dit que le pouvoir judiciaire est exercé par les magistrats. Donc, il faut que nous-mêmes, nous travaillons pour l'indépendance des magistrats. Et il faut que le CSPJ les garantit l'indépendance des magistrats. Or, l'ETSA a ce qui a joint la police nationale là, n'est pas garanti l'indépendance des magistrats. N'est pas garanti l'indépendance. C'est pourquoi nous-mêmes, nous, au niveau de l'ANAMA, nous avons plaidé pour que cette question de mandat, pour retirer la question de mandat dans le système judiciaire là. On juge nommé, il est nommé jusqu'à ce que, de manière inamovible, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'âge de la retraite, ou du moins, si le juge a commis des infractions dans le tribunal disciplinaire qu'il a, pour aller devant le tribunal, la condamner, puis révoquer, et s'il doit aller devant le tribunal de loi commun, pour aller devant le tribunal de loi commun, parce que les commettent ont infraction. Mais lorsque un magistrat obligé de flatter, obligé de caresser, soit des membres de CSPJ, ou bien des membres du pouvoir exécutif pour le renouvellement du mandat, système n'a pas besoin, mais il n'a pas besoin indépendant. Il a toujours à prendre des décisions pour protéger carrière, pour protéger avenir dans le système. Nan. Des fois, il a passé maintenant en tête, il dit ah, on est, si vous ne prenez pas cette décision, votre mandat ne sera pas renouvelé. Et ça fait moi-même dans le système, je peux me prendre comme exemple. Bon, ce n'est pas bien de se prendre comme exemple, mais même dire que je n'ai jamais un mandat qui finit pour le renouveler immédiatement. Parce que mon cas, mon comportement dans le système, m'bagay moun ki ka vin di m fè sa pou li, m'bagay moun ki ka rele m pose et passe m de l'ordre, depuis m gen mandat, m'sen mandat m chita, et puis m ap fè sa la loi mande m pou m fè. Ou même bravo, ou pa même a fait pas ou. Mais même ça m konnen, m ap fè ce que la loi dit. Donc, moi je crois, et l'ANAMA, c'est sa position, il faut que les magistrats yo nommé de manière inamovible dans le système. S'il commet des infractions dans l'exercice de sa fonction de magistrat, eh bien, la loi déjà prévoit que Mounsal doit aller devant le tribunal disciplinaire, il prend des sanctions contre lui, évoquer lui, et s'il doit aller juger devant le tribunal de loi commun, il doit aller juger devant le tribunal de loi commun. Mm-hmm. Point. Et je dis là, peut-être même magistrat, moi, pendant que nous allons finir, dernière question, qui sera conseillé, juge d'image? Moi-même, pas gagné pour me conseiller juge dimanche publiquement de qui position que l'état doué gagné. Parce que magistrat li trempé, li initié dans les questions liées à la loi et au droit, magistrat connaît la loi, connaît le droit. Cependant, magistrat vini avec une nouvelle interprétation de ce qu'on appelle et l'exercice du mandat et le temps du mandat. Donc, dans ce cadre-là, c'est un débat que magistrat a lancé. Moi, je crois que CSPJ a saisi ce débat au bon et fait-le au niveau du pouvoir judiciaire et fait-le au niveau de toute juridiction. Et comme CSPJ a, je dis, avec signification que le bail magistrat dimanche là, les dix magistrats dimanche, écoutez, il faut que ou sursoir sur tout acte d'instruction dans le cadre de tous les dossiers qui n'ont cabinet, parce que votre mandat de juge d'instruction l'irrite à terme, parce que et magistrat a doué dans des CSPJ et puis à discuter avec CSPJ pour le montrer CSPJ que CSPJ a rien tort.